pense que c'est jusqu'à 14 minutes. Oh, on va bientôt s'arrêter peut-être, mais 20 minutes au moins quand même. J'en sais rien. C'est surtout que je me dis que vu que j'ai envie quand même de laisser mettre un peu de contenu, je vais quand même faire pas mal de trucs. Enfin en bref, ici l'idée c'est de filmer et que quand je couvre du Palladium, peut-être éventuellement, je vais cutter les parties, peut-être éventuellement, ou tout. Mais pendant ce temps-là, je filme quoi. Je sais pas, un truc dans le genre. Par la suite, je cutterai les séquences qui m'intéressent pas. Parce que de toute façon, j'ai pas d'idée. Il suffit pas de parler de toutes les 5 secondes, quoi. C'est tout. Parler à certains moments, ça peut être une sorte de d'aide. Ça va, c'est fluide, hein. J'ai pas trop de soucis. C'est chiant, on s'emmerde. C'est pour ça que ce genre de truc, il faut pas en faire trop parce que ça sert à rien, c'est vide. Ah, ça aurait été mieux si on tricherait, hein. M'intéresse pas de tricher. Par contre, je vais aller pisser. Je vais où essayer après, tant pis. Ma vie est intéressante. Oh là là. C'est incroyable, cet homme possède des parties génitaux. Il peut aller faire pipi. C'est incroyable. Cet homme est un homme. Vrai. Parce que vous êtes en plastique. Non, j'ai... Oui, j'ai dit beaucoup de conneries ici. De toute rue, bien sûr. N'oublions pas. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Petit truc qui veut supprimer les entités dans 30 secondes. Cadeau. Allez, allez, délectage. Voilà, il a tout supprimé comme un gentil petit truc qui fait son taf. Trop cool. Trop cool. Ah là le stream. Ah non, en fait je fais pas du stream donc ça n'a rien à voir. Mais... Ah là le non stream quand on n'a pas d'autre moyen de faire. Qui TP au loin, c'est FSSSR. Qui TP au loin, pourquoi je l'arnaque.com. Toi, tu es le gagnant. Oui, toi. Pom, pom. Ah. D'accord, bon, on va remonter un peu. Ah, c'est pas mal. Voilà, c'est trop cool. Trop cool. Quoi? Voilà. Trop cool. Peut-être pas. Ah, c'est dur. Je n'arrive plus à avancer. Ah, c'est ça. Voilà.
poison. Merci maman. De rien mon fils. Oui, je dis de la merde aussi, c'est connu. Ah, on va pas trouver, on va pas trouver un seul truc de minerai. C'est pour ça que techniquement ce genre de vidéo c'est mieux de faire un live parce que justement c'est des heures. C'est des heures en fait. Puisque c'est du minage justement. Donc c'est des heures et des heures en fait. Et vous comprenez plutôt maintenant pourquoi les jeunes cheat. Ben voilà, vous avez la réponse. Peut-être parce que la plupart des gens, ils ont pas le temps en fait de jouer correctement parce qu'ils ont un taf et tout ça, donc du coup ils extraient pour ça. Ça c'est fort probable. Et bon, ça, c'est peut-être pour ça aussi qu'on aura toujours des cheaters. J'en sais rien, c'est qu'une théorie. Hein, c'est fort probable parce que ça peut être aussi des simples gosses qui n'ont pas de travail. Mais je me dis, si t'es un gosse et que t'as pas de travail, bah, ça va, tu peux jouer légitimement du coup. Wow, c'est déjà rempli. Trop cool. Hop. Mais sinon pas la deuxième, c'est bien, c'est top, ça occupe. J'ai un Raspberry Pi aussi pour ceux qui savent pas. J'ai mon propre serveur. Et sur mon propre serveur, je tournerai plus ou moins dans les 28 ou 30 FPS. Ça fait déjà 4-5 FPS de plus, c'est pas mal. Mais ici, comme on est sur un serveur où, je rappelle, il y a, vous voyez, il y a beaucoup de gens, ben, ça fait que voilà, on a atteint un niveau de pic assez élevé et ça pompe aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on reste toujours très bas. Après, vous allez me dire, oui, mais bon, ça va parce qu'on est dans une sorte de tunnel, donc c'est pas si dérangeant que ça en fait. Parce que c'est que du minage, donc ça dérange pas le niveau d'FPS tant que ça va pas trop monter trop bas. Ça va quoi. Parce que de toute façon, de base, on fait pas des gros trucs de ouf, de malade, de trucs de gueudin, de ouh, tourlipépette, pimpette. Donc ça va. Ça reste très très truc tout ça, ça reste très très truc. Voilà, voilà. De ouh, FB. Voilà, voilà. C'est bon. Oui, j'ai un problème avec ça. Et je vous en... Voilà, c'est bien. Trop cool. Oh non, pas encore ça. Rien, je parle de cacao et tout ça, je vais en racheter. Avec l'histoire des confinements, j'ai peur de sortir et de me faire prendre une amende pour rien alors que je vais faire des courses importantes. Et aussi parce que j'ai que du cash en fait, et du coup c'est compliqué. En fait, ça engendre beaucoup de stress et de peur de sortir du coup. Oui, je suis une victime. Oui, c'est bon, on a. Ah oui, et c'est Mister Wouh, haha. Non, mais vous savez déjà en fait. Parce que vous voyez un petit Wouh sur la gauche. La droite, pardon. Un Wouh très très Wouh protection.
dans ce genre de choses, en fait, le but c'est de faire plusieurs heures de minage, en fait, de filmage et de minage. Et à la fin, vous prenez les condensés que vous voulez avec dans la vidéo, tout ça. Ça prend plusieurs heures de montage, du coup. Et vous condensez ça en 20-25 minutes. Parce que le but, c'est que ce soit pas casse-couille à regarder, en fait. Alors, j'ai une technique pour vous. Quand on y pense, c'est intéressant. Donc en fait, l'idée, c'est quand vous les minez, donc il y a une technique que je peux donner. C'est d'ailleurs, par exemple, vous disiez, ok, dans quel niveau de bloc je veux miner. Par exemple, je veux ça stop là. Faites un trou là. Voilà. Vous disiez, ok. Merde, sur du gravier, fait chier. J'en ai marre de ma vie. Les gars, je vais venir. Attends, on t'aime pas, personne t'aime. Personne. Absolument personne. Bon, ok, nique ta mare, le gravier, mais vraiment à fond ta mare. Ta mare au canard. Oh, bordel. Bon, dès que vous trouvez un endroit qui peut faire ligne horizontale, ligne assez lignée, comme je vais faire, regardez cette salle. Voilà. Continue un peu. Voilà, normalement ça devrait être bon pour l'arrivée. Vous revenez par là. Vous regardez où vous en êtes. Et en fait, l'idée c'est de continuer comme ça et de faire fragmentation par fragmentation. Donc, c'est. J'appelle ça la technique du défragmenteur. C'est en fait, vous faites un truc par truc. Donc là, c'est fait. Vous voyez, ce mur-là, vous y touchez pas, parce que c'est un mur, on voit ce qu'il y a dedans. Et ici, maintenant, ce que vous faites, c'est que vous laissez un mur tranquille et vous faites le suivant. Bien sûr, ça se fait avec un hammer, ça ne sert à rien, voilà. Bon, bien sûr, ça, on s'en bat les couilles, dégage. Oui, bien sûr, fais un trou pour me faire chier. Nique bien ta mare, avec ta mare au canard. Hop. Alors, donc, du coup, la technique, c'est comme j'ai dit, c'est défragmenter. Hop, défragmentation. Et après, on regardera ce qu'il y a. Parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs. Bon, bien sûr, il y a toujours des trucs pour faire chier ça. Regardez, on trouve déjà un truc pas mal. Faites pas attention aux minerais qui cassent les couilles. Vous voulez éviter comme la peste. Hop. Oh, que c'est mignon. Je vais essayer de me tuer. Ils vont tous mourir. De tout truc. Bon, alors ce qui se passe après, c'est que vous allez là. Ah, ok, c'est pour ça. Attendez, je dois faire une ouverture ici. Bah oui. Comme on n'ouvre pas, il faut ouvrir un peu ici pour les ouvertures de défragmentation. Donc voilà, ici vous voyez bien sûr qu'il y a du minerai, je vais le récupérer bien sûr, mais c'est juste pour vous montrer, hop, vous récupérez bien sûr votre minerai sans soucis. Alors du coup ici il y a aussi du minerai, on le récupère, bien sûr, logique, hop, nique ta mare. Voilà.
Et du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, bah, vous recommencez votre mode de fragmentation en faisant comme ça. Hop, voilà. Donc, en fait, ça fait des sortes de petites lignes comme ça. Vous voyez un peu l'idée. Et en fait, ça permet vraiment de voir et d'avancer très vite. C'est comme ça que moi je fais en tout cas. Et là, vous voyez, ça marche bien parce qu'on trouve du minerai. C'est pas le pire des minerais du monde. Oh là là, c'est incroyable. Il a trouvé un minerai ultra rare qui est vraiment très rare. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est vraiment un minerai ultra rare. Non, ferme-le là. Mais bon, voilà. C'est pas mal déjà. N'oubliez pas que c'est une technique de WooFB. Donc c'est trop cool. C'est des Woo professionnels qui vous proposent après tout. C'est des Woo professionnels s'il vous plaît. Bon. De tout truc. Bon. Allez. Continuons à être très très Woo. Vous voyez ce que je fais là. Ah bah il faut faire. Allez, faites-le aussi. Un joli bug là, qui est parti, mais il y avait un bug. Et j'ouvre un peu le truc pour avoir quelque chose, pour avoir une sorte d'ouverture de défragmentation assez lointaine. Et en même temps, ça permet de faire déjà aussi une ouverture. Donc voilà, c'est ma technique. C'est ce que j'utilise que j'utilise comme technique. Après ça je m'en bats les couilles parce que j'ai pas de truc. Donc jamais miner là, il faut miner au deuxième, il faut toujours en laisser un. Là c'est bon, toujours laisser un mur, toujours, vous voyez, toujours. Ça fait des sortes de galeries quoi. C'est le but de du mode des fragmenteurs. C'est laisser, ça permet de voir tout. Puis, je l'appelle comme je veux parce que je suis ouh, voilà, ça explique tout, ça excuse tous les trucs du monde.